Escape from Ibiza. Escape from Ibiza. Bonjour, nous sommes sur un Airbus. Bonjour, bienvenue dans l'Airbus. Alors nous approchons les 20 heures de voyage et tout va bien. Alors, nous avons fait 6814 km et nous sommes ici. L'Australie est ici. La France est ici. Regardez, on arrive. Ladies and gentlemen, welcome to Tonto Tayumea International Airport. Bienvenue à Nouméa. Ici, c'est un peu le paradis. Paradis sur Terre avec une mer bleu turquoise. Un très beau soleil. Il est 10h du matin. Il fait déjà quelques 20 et quelques degrés. Et je vais vous faire voir un petit peu l'endroit paradisiaque où j'ai la chance de résider, ici à Nouméa. On rentre, suivez-moi. Alors voilà la chambre. Et ici un accès privé pour aller vous baigner dans le lagon. Que voici. Avec pas mal de gens, effectivement, que ce soit pour écrire des chansons, pour composer des chansons, pour produire ou même remixer des chansons. Bonjour, nous sommes à la plage du Quendo Beach. C'est ici que dans un peu plus de 24 heures va se dérouler la première soirée Escape from Ibiza à Nouméa. Ok, come on now. Alors là, on a des plaques qui vont être en fin de compte le parquet qui va être dressé sur la mer pour mettre la cabine DJ. Donc normalement on devrait à peu près voir cette nuit. Les gens vont donc pouvoir danser sur toutes les salles de la plage, danser dans l'eau bien sûr, et danser aussi sur une espèce de parquet flottant qui va être sur l'eau. Mais tu peux voir qu'il y a un peu de puissance là. Normalement, si tout se passe bien, l'eau devrait monter parce que la marée est en train de remonter, donc on devrait finir avec les gens qui dansent dans l'eau. Escape from Ibiza. DJ Joachim Garraud. Joachim Garraud live. Et le soleil se lève. Ah ouais. C'est énorme. J'ai plus
joie, mais c'était vraiment une très belle partie. Super Nouméa. Le feu, il a mis le feu. Je pensais réveiller Joachim ce matin, mais en fait, il est déjà au travail. J'ai presque fini. Pas mal, hein? Et ceux du jardin, c'est toi aussi? Bah ouais, j'ai fait ça cette nuit. Sympa. Tu veux le laisser sur place, celui-là est un peu lourd pour mettre dans l'avion.